La chanson s'appelle « Demain, c'est toi, Zaz ». Ses mains, je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les corps. Je pulvérise les murs des prisons que l'on dort. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin, je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Demain, c'est toi. Ilan et David. Accompagné par David Jage au piano et Ilan Abou à la contrebasse, vos musiciens qui seront sur scène avec vous dans le cadre de la tournée et qui seront à l'Accor Hôtel Arena à Paris, son premier Bercy, le 22 mars 2019. L'album s'appelle L'effet miroir. Elle est très jolie et j'aime d'ailleurs dans l'enregistrement de l'album la façon dont vous détachez demain, c'est toi, la façon dont vous ne chantez pas le mot toi, mais dont vous le parlez. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, oui, ça. Oui, bah, j'ai essayé. En fait, c'est un exercice que moi, j'ai tendance à brailler, à gueuler, à parler fort et pour me faire entendre. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la douceur, on peut faire passer beaucoup de force, en fait. Et c'est quelque chose que je n'avais pas... C'est un exercice... Intégré encore. Oui, c'est un exercice que je n'avais pas fait encore. 4 millions d'albums vendus pour les précédents. Et à mon avis, avec cette chanson-là, ça va être un carton aussi, ce nouvel album, parce que c'est une chanson qui émeut et qui parle à tout le monde. C'est votre cas aussi, Christian Gau, vous avez aimé ça? Oui, je vous dis, j'ai pas le même rapport du tout avec toutes les chansons, parce que comme la voix est très présente, le texte est très présent, quand il y a des textes qui me plaisent pas, qui m'intéressent pas, bon, ben voilà, je décroche un peu. Mais en revanche, quand il y a des textes qui me plaisent, vraiment, comme c'est le cas de celui de Raphaël ou de celui qui s'appelle J'aime, où on est vraiment dans la tête de quelqu'un ou mes souvenirs ça de toi. Ça te parle, quoi. Ça. Oui. Ça vous parle, pardon. Je suis désolée, ça me parle. C'est pas que ça me parle spécialement, c'est que je trouve le texte est quand même nettement meilleur. Et donc, ça compte beaucoup, quand même. Je trouve que ça compte beaucoup pour une chanteuse comme vous qui, dont on entend vraiment le texte et cette voix, enfin, qui est comme ça très, très, très présente. Alors bon, je pense que c'est contrasté.
Voilà. Pourquoi vous tutoyez aussi facilement? Je ne sais pas. C'est assez... Parce que c'est un « on ». J'ai l'impression que c'est un « on », votre « tu », non? Quand vous dites « tu », c'est vous dites « tu » ou vous dites « on » C'est une... Non, quand je dis « je », quand je dis « je », c'est plutôt... D'ailleurs, quand je... c'est pour ça que j'ai... Enfin, sur l'album, il y a beaucoup de « je », mais je pense « on ». Parce que je me dis qu'on on peut se reconnaître dans ce qu'on est... Enfin, dans ce que les autres expérimentent. Mais non, tu, c'est, je sais pas, c'est un truc un peu direct. Au Québec, tu vois, je suis tranquille, tout le monde te tutoie, j'ai pas de problème. Voilà, et je sais que ça peut être pris comme un manque de respect, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas chez moi. C'est plutôt pour avoir quelque chose où on se parle vraiment, en fait. J'ai l'impression que le vous, il y a un truc qui on perd une accroche, quoi, enfin chez moi. Ça met une distance, en fait. Oui. Mais ce qui est important pour les gens. Tu lui as dit tu, oui, au général de Villiers, là, tout à l'heure? Je lui ai rien dit, en fait. J'ai dit salut. Il y a quelque chose qui a plu tout de suite. Il y a une espèce de fraîcheur, une espèce de candeur que vous communiquez, bon, et qui touche les gens. C'est ça qui est votre... voilà. Il y a un manque de filtre. Dans votre manière d'être, il y a ça. Bon. Sauf que après, quand on s'intègre, comme vous, à un système qui est tout sauf candide et qui n'est, enfin voilà, qui est à l'opposé de ça, c'est, je ne sais pas comment. Ça crée des dissonances pour. Peut-être que ça crée des dissonances et peut-être que du coup, et peut-être que non, pas forcément tous, et peut-être qu'on se dit du coup que en tutoyant, c'est comme si il y avait pas tout ça, il y avait pas de lumière, il y avait pas de maison de disque, il y avait pas tout ça, et que finalement il y a pas de distance. Or, bien sûr qu'il y a quand même que ce système est là et que le vous va avec et que c'est pas plus mal. D'accord. Non, je sais pas, je vous demande. Je vous demande si c'est ça. Si c'est ça, est-ce que c'est pour acclimater cette espèce de machinerie, finalement, dans laquelle vous êtes intégré avec votre talent à vous, personnel, authentique? Mais c'est mon expérience, de toute façon. Donc, je suis dedans, j'apprends, j'ai appris. Et en fait, les choses ont du pouvoir sur nous à partir du moment où on leur en donne. Et aujourd'hui, il y a des choses, j'ai plus envie de m'emmerder, quoi. J'ai plus envie de... La question, en fait, que je pourrais poser, qui prolonge ce que dit Christine Angot, c'est est-ce qu'on peut continuer à être sincère, comme moi, j'ai bien l'impression sûr que vous l'êtes, parce que je vous crois, et c'est aussi pour ça que je vous aime, je crois totalement en votre sincérité. Au contraire, même. Au contraire, je pense que ça m'a encore plus... Est-ce que c'est si facile, si simple, de continuer à être sincère dans ce milieu, quand on vend autant de disques et des millions de disques, non seulement en France, mais aussi à l'étranger? Non, mais la sincérité n'a rien à voir, en fait. C'est juste que c'est difficile, des fois, de voir des choses, parce que j'ai envie de rentrer en réaction. Mais mon fond, et au contraire, ça s'est ancré encore plus. Oui, bien sûr. Et en plus, aujourd'hui, je fais plein de choses qui me font du bien. Enfin, tu vois, j'ai mis en place des choses. Et c'est, au contraire, ça fait qu'accentuer, en fait, ce que je suis. Au contraire. Non, mais je disais pas le contraire. Je disais que peut-être ça s'accompagne quand même, forcément. Enfin, c'est obligatoire Vous travaillez quand même dans un contexte qui est un contexte avec une certaine violence commerciale, qui est une réalité, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Demandez aux agents... vous voyez, eux-mêmes, dans la série, ne parlent pas de chiffres, par exemple. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que ça existe, c'est une réalité. Je ne la conteste pas. Et c'est très bien que quelqu'un comme vous, vous réussissiez à vous intégrer là-dedans. Je dis que... Que peut-être. Mais je prends ça comme un jeu, en fait. Enfin, tu vois, maintenant, j'essaye de. Je réagis plus à. Avant des trucs, j'aurais pété des câbles ou j'en sais rien. Maintenant, je souris et puis on passe à autre chose. Puis voilà. Tu vois, c'est. C'est-à-dire, vous souriez? Je sais pas, quand on me propose quelque chose que j'ai pas envie de faire. Avant, peut-être, il y avait des espèces de chantage affectif, des trucs comme ça. Et du coup. Mais parce que tout le monde joue sa carte, en fait. C'est pas des méchants et des gentils. On n'est pas là-dedans. Hein. C'est pas blanc ou noir. C'est juste que chacun fait pour ses intérêts. Voilà, la société est faite comme ça. Certaines parties, en tout cas. Et maintenant, voilà, quand j'ai pas envie, je souris. Et puis voilà, on passe à autre chose. Chanter à l'étranger, ça, vous aimez ça et vous avez envie. Ouais. On vous force pas. Non, ça, on me force pas. Mais de toute façon, voilà. Alors, regarde, ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est ce que j'ai dû apprendre, c'est-à-dire la promo. C'est être là, devoir parler. Moi, c'était chanter, tu vois. Chanter, ça, j'aime. Mais on doit avoir un avis sur tout, on doit... Enfin, tu vois, on doit... Parce qu'en fait, quand j'ai dit tout à l'heure que le succès vous était vite arrivé, c'est pas tant vrai que ça. Non, ça il vous est vite arrivé à partir du moment où vous avez enregistré un album. Ça, le succès est venu tout de suite, oui, c'est ça vrai. Faisait 10 ans mais en revanche,
il ne faut pas oublier que ça faisait effectivement 10 ans que vous chantiez à travers des groupes, à travers des bals, musettes, à travers des cabarets à Montmartre. On vous a parfois caricaturé en chanteuse de rue. Ce n'est pas tout à fait chanteuse de rue, mais c'est chanté en tout cas dans des cabarets de touristes. J'ai chanté dans la rue. Ou sur des scènes au fin fond des campagnes françaises. À Vladivostok, chez les Russes. Et Russes aussi. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, la tournée, elle est incroyable. Quoi. Vous allez chanter à Saint-Pétersbourg, vous chanterez à New York le 22 avril 2019, donc on l'a dit à Bercy le 22 mars. J'allais dire, vous êtes la nouvelle Mireille Mathieu. Non, mais en tout cas, quand même... Change de coupe de cheveux. Ah bah, c'est, quoi, où ? Vous déconnez, Mireille, elle a vendu, mais putain, Adamo. Je suis sérieux quand je dis ça à Mireille Mathieu, je ne sais pas pourquoi vous faites où, parce que Mireille Mathieu, elle a, on aime ou on n'aime pas, mais elle a une carrière internationale. Ouais. Après, on peut s'en moquer, parce qu'évidemment, elle a des aspects qui sont parfois risibles, mais il n'empêche qu'elle a, non mais c'est vrai, elle a une carrière internationale à travers le monde. Comme Adamo, je crois qu'il a vendu 350 millions d'albums, ça paraît complètement... Je crois que c'est ça. Il y a eu Patricia Cass dans le même genre. Vous êtes, comme Patricia Cass, Mireille Mathieu, une des Françaises qui réussissait à faire carrière à l'étranger. Ça fait plaisir. Non, mais c'est génial. Puis ils chantent avec leur accent, ils chantent tout par cœur. Enfin, tu vois, t'arrives à Buenos Aires devant 8000 personnes qui sont bienveillants. J'ai l'impression d'être... je sais pas, enfin, c'est... Vous chantez toujours en français. Toujours en français. Après, j'adore chanter en espagnol, en portugais. Au Japon, j'ai chanté « Je veux en... » En japonais, c'était drôle. Ça donne quoi, japonais ? Ne me demande pas, je m'en rappelle plus. C'était il y a 3 ans ou 4 ans, 2 ans, 3 ans, 3 ans, je sais plus. J'ai plus la notion du temps chez moi, assez abstraite. Alors, cette dernière chanson, qui n'est pas une chanson, d'ailleurs, qui est un peu comme un slam, qui s'appelle Laponie, vous l'avez entendue. C'est quoi, là, l'idée ? C'est que les voyages... En fait, je rêvais d'aller en Laponie. Et c'était un rêve qui n'était pas inaccessible. Hein, c'était là. Le pays des lapins. c'est Naya. Elle me dit, hey, tu vas au pays des lapins. J'ai dit, non, c'est là. Et j'avais l'impression que j'étais excitée, mais comme si c'était... Je suis partie que 5 jours. Hein. J'étais excitée comme si c'était mon premier grand voyage, alors que j'ai fait plus de 60 pays. C'est ce que vous racontez dans le texte. Et j'étais, mais genre, vraiment... j'avais perdu cette sensation de... C'est pas que je suis blasée, je suis pas du tout blasée, mais j'avais pas ce truc, j'avais plus ce truc-là, quoi. Et je suis partie, j'ai écrit... Je pensais pas du tout à faire un slam ou en faire une chanson. J'étais bourrée d'émotions et j'ai écrit... dans l'avion, j'ai écrit, sur place, j'ai écrit, en rentrant, j'ai écrit. Et puis, il y avait une chanson de Guillaume Poncelet que j'aime beaucoup, que j'essayais d'écrire dessus, de chanter, enfin, de trouver, voilà. J'arrivais pas. Et quand je suis rentrée, j'ai slamé j'ai parlé le texte. Oui, parce que le slam, il y a souvent des espèces d'espèces d'accents un peu faux. Ouais. Et alors que là, il n'y a pas du tout ça. Ben en fait, je sais pas, j'ai juste tout droit, récité un texte en essayant d'être dans le rythme, voilà. Et je trouvais que ça collait, mais parfaitement. Et elle me fait beaucoup de bien, cette chanson. C'est franc, c'est honnête, quoi. C'est dit avec le cœur. Mm. Et je vous rejoins dans ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'évidence quand on l'entend chanter. Mm. Et je trouve, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette réussite déjà française et puis internationale, parce que je pense qu'à partir du moment où on l'écoute avec le cœur, Zaz, ça parle. Évidemment, après, il y a des textes qui parlent plus ou moins que d'autres, ce qui est normal. D'où l'effet miroir. D'où l'effet miroir, voilà, mais ça, tu le dis mieux que moi. Bah dans les miroirs. Ça, c'est un peu facile, cette histoire d'effet miroir. Si, c'est un peu facile. Non, pourquoi ? Pas facile, c'est vrai. Non, je vous dis pourquoi je pense ça. Je pense que c'est un peu facile parce que c'est une manière de ne pas revendiquer les choix qu'on a faits. Et si on vous dit, ah ben oui, tel truc, etc., provoque telle chose. Vous dites, bon, effet miroir. Vous pourriez dire, mais non, mais moi, j'ai fait ce choix pour telle raison, etc. Dire effet miroir, c'est je sors mon arme magique, mon effaceur magique, effet miroir. Tac, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Ah, mais c'est pas comme ça que je le prends. Moi, ça me fait prendre mes responsabilités. Et ça me, au lieu d'accuser, en fait, je me remets en question pour pouvoir réagir différemment, parce qu'en fait, les choses, je vais pas les changer à un moment. Enfin, je veux dire, les gens sont comme ils sont. Je peux juste changer ma manière de réagir. Et ça me montre juste ce que je suis. Justement, au contraire, je trouve que je me responsabilise plus. Non, mais c'est pas sur vous, mais sur les textes, là, par exemple, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire il y a des textes... Oui, mais pour moi, l'effet miroir, c'est qu'on ne voit que ce que l'on est, et on ne réagit qu'à notre histoire, à notre vécu, à nos mémoires. Vous croyez ? Vous croyez pas que les chansons, que les textes disent quelque chose, indépendamment de la personne qui les écoute ? Les textes disent quelque chose, quand même. Oui, mais si ça touche... Dans l'absolu, indépendamment de celui qui l'entend. Mais si ça... Oui, mais... Une phrase, c'est une phrase, c'est pas juste quelqu'un qui l'entend.
Ben oui, mais moi, si je la dis, c'est que ça me touche. Après, oui, si tu l'entends pas, sûr. Si vous l'entendez pas, c'est enfin, qu'est-ce que je... Enfin, ouais, non, ou alors si je l'entends, mais que je la trouve pas bonne, par exemple. Ça peut exister, ça aussi. Oui, ça peut exister, bon. Mais il n'y a pas de vérité. Ça dépend si. Comme... Si, ça existe, la vérité. Sinon, si vous n'êtes pas... Vous dites que vous êtes authentique. Alors, si vous êtes authentique, la vérité, ça existe. Oui, mais il y a des fois où, à travers nos filtres, on ne peut pas voir certaines choses. Par exemple, des fois, quand tu exprimes l'amour, ça insupporte les gens parce que souvent, ils sont fermés à ça, parce que ça les fait flipper. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils ouvrent leur cœur, ils vont tomber. Oui, bien sûr. Donc, c'est bien qu'il y a une vérité, mais on n'est pas capable de l'apprendre non plus. Enfin, bien sûr. Donc, tout est interprétable. Après, tout, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est vrai ce que je dis aussi. Absolument. Voilà. Absolument. Charles Consigny. Là, il a été réussi, l'effet miroir, hein, sur ce coup-là. Charles. Non, je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que sur le papier, vous avez tout pour m'agacer. Et en fait, vous m'êtes très sympathique. Tu veux un câlin ? Hein ? Non, alors, moi, je On n'ira pas jusque-là. Hein. Non, moi, je tiens au vouvoiement. D'accord. Le vouvoiement, c'est un hommage à la pluralité de l'autre. Vous, être innombrable à qui je parle. C'est ça, le vouvoiement. J'aime le vouvoiement même dans les familles, même entre la mère et ses enfants, et des enfants vers la mère. Mais oui, Laurent, excusez-moi, Laurent, dans les bonnes familles, les enfants vouvoient leurs parents. Je suis navré de vous le dire. Je suis sûr que dans la famille... Comment ils font aux États-Unis avec le « you » alors ? Mais aux États-Unis, ils ne sont pas aussi... les États-Unis, c'est pas l'Europe. Non, ça, je vous c'est pas le même raffinement. Ils ont d'autres qualités. Sinon, ça devient une dictature. Même ce tutoiement, par exemple, quand vous dites, moi, ça m'a toujours exaspéré chez tout le monde, cette manière de dire, tu fais ça, il t'arrive ça, tu fais ça. Nan, nan. Moi, j'ai pas du tout envie d'être inclus comme ça dans ce « on » qui est un « tu ». Non, le vouvoiement, c'est la distance. Et je trouve que la distance, c'est la civilisation. Mais passer ces considérations qui, encore une fois, sont pas... T'es vraiment comme ça ? En... Oui. C'est-à-dire que je crois être vraiment civilisé. Je sais que c'est difficile à faire sur les plateaux de télé, mais je crois en effet être assez civilisé. Et je suis aussi très intéressé d'entendre que on parle toujours du cœur, les gens qui ouvrent leur cœur, vous faites ce que vous faites avec cœur, etc. Et moi, je me demande si c'est pas ce que peut l'immédiat du cœur avant que la raison ne s'en mêle. C'est-à-dire, oui, moi aussi, demain, je peux arriver et déclarer, comme vous l'avez fait dans des interviews, la tolérance, c'est de rencontrer quelqu'un sans préjugés, s'enrichir de l'autre grâce à ses différences. Je peux arriver et dire, j'aime dire merci à la nature. Et j'aurai Libération qui écrira sur moi que je me revendique de cette diaspora volontaire, de cette internationale multicolore et de cette citoyenneté du monde qu'on croyait enfuie depuis les années hippies, Baba, Erasmus, tout ça, mais qui emprunte de nouveaux charters vers la différence désirée, loin de la peur exposée, de l'appartenance fantasmée. Mais si j'en arrive là, je pense que je devrais me remettre en question et me plonger dans une littérature où les gens se vouvoient et restent à distance les uns des autres. Mais tout ceci étant dit, je trouve que vous êtes une musicienne remarquable. Je crois que ça ne fait pas de débat. Le live que vous avez fait ici était à l'image de cette chanson et on a bien vu à la fois votre sensibilité et en même temps votre technique. Et ça, je crois que malgré votre côté baba cool, hippie, etc., vous êtes c'est en même qui temps. C'est m'enferme dans une case. Vous avez un style. Déjà, vous persistez à me tutoyer, ce qui est extrêmement pénible. Et je pense que malgré ça, vous avez ça des vrais artistes, et qui, à mon avis, on peut pas être un grand artiste sans ça. C'est-à-dire, il n'y a pas que le cœur, il n'y a pas que la sensibilité. Il n'y a pas que les élans d'affection qu'on peut avoir les uns ou pour les autres. Il y a la technique, le travail. Est-ce qu'on maîtrise son art ou pas ? Et moi, je trouve que vous maîtrisez votre art. Et donc, je suis heureux de vous avoir entendu et rencontré. Ah bah écoutez, voyez, ça se termine plutôt pas mal. On va souhaiter à Jazz une belle et jolie tournée avec son nouvel album. Et un super merci. Ce sera le 22 mars 2019 prochain. Merci, Jazz. Je vais rejoindre votre place.